Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Tu viens. Praise the Lord God of heaven and earth. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Amen. I now know you are here. Je sais maintenant que vous êtes ici. Praise the Lord. Let's rise up to pray. Et nous devons nous prier. Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. We bow before your majesty. We bow before your glory. We bow before your splendor. We bow before your throne in glad appreciation of so great a love that you have for us, of so great a lifting up that you have given to us. You took us out of gross darkness and brought us to your marvelous light. We are enabled to show forth your praise. And not us, Father, for you have given your word to us plenteously. The first part of the service, give us your word additionally. In the name of Jesus, let there be an anointing resting upon hearts and mind. Our hearts oiled by your spirit. Our minds illuminated, enlightened by the light of your word. Quicken us according to your word. Lord God Almighty, that when we arise to live here, we'll be greater people in you than when we came in. Let it be so, Lord, we pray. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Lord. So I can now say good morning to you. Bonjour. Bonjour. Uh-huh. Bon matin. Bon matin. Bonjour. Hein? Le deuxième, c'est grand. Le premier, parti. N'est-ce pas? Oui. Si je dis bon matin, on zait pour une heure seulement. Bon, mais si je dis bonjour, jusqu'à minuit. Hein? Midi? Midi? Non. Minuit. All right. I've done your job, so let's go to the word of God. John chapter 3. Donc allons dans la parole de Dieu. Jean chapitre 11. 3. Jean chapitre 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Qui vient de lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee,
Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Whenever the Lord Jesus Christ speaks and repeats the word verily, you have to look at it very well. Chaque fois que le Seigneur parle et qu'il répète le terme en vérité, c'est que vous devez regarder très bien. Verily, verily, I say unto you. En vérité, je vous le dis. Who was he speaking to? À qui parlait-il? He was speaking to Nicodemus. Il parlait à Nicodème. He is said to be a ruler of the Jews. Il était dit de Nicodème qu'il était un chef des Juifs. In the estate that Nicodemus was in, he could not be less than 70 years. La situation dans laquelle Nicodème était, il ne pouvait pas avoir moins de 70 ans. In any case, there were only 70 members of the Sanhedrin. Dans le Sanhédrin, il y a seulement 70 personnes, 70 membres du Sanhédrin. So he was at the topmost of this religious nation called Israel. Donc il était au sommet de cette de cet état religieux qui appelait Israël. He had looked at Jesus. Il a regardé à Jésus. And said, this man is not ordinary, he's unique. Il dit, cet homme, il n'est pas ordinaire, c'est un homme unique. I must go to meet him. Je dois aller le rencontrer. But if we were to go during the day, mais s'il devait partir dans la journée, people would say, huh? You that teach us the law, you don't understand. S'il vient dans le jour, les gens vont dire, mais tiens, toi qui nous enseignes la loi, tu ne comprends pas? Well, sometimes, oui, souvent, people allow themselves to miss out of great things because of personal pride. Souvent, les personnes manquent de bonnes choses parce qu'ils sont orgueilleux. If I, a pastor, go to those small boys and girls. Si moi, en tant que pasteur, je vais voir les petits garçons et les filles, what does it look like? Comment est-ce que cela va sembler? When I'm a bishop. Pendant que je suis un bishop. Anyhow, Nicodemus was bigger than the bishop. De toutes les façons, Nicodème était plus grand qu'un bishop. And there was clearly 40 years difference between him and Jesus. Et de façon évidente et claire, il y avait 40 ans de différence entre lui et Jésus-Christ. But Nicodemus did not allow his pride to stop him. Mais Nicodème n'a pas permis que l'orgueil puisse l'arrêter. But he also has self-respect. Mais il a aussi quand même une estime de lui-même. So he said, I know what to do. I will go at night. Donc je sais ce qu'il faut faire. Je vais aller la nuit. In any case, it is night hour over the world. De toutes les façons, so come to Jesus everywhere. De toutes les façons, c'est il fait nuit dans tout le monde entier. Donc venez à Jésus-Christ. Amen. Venez à Jésus-Christ. He started the discussion. Et il a commencé la discussion. By appreciating Jesus. Il a apprécié Jésus, il a révérencié Jésus. But Jesus went straight to what he needs. Et Jésus allait directement toucher son besoin. Verily, verily, I say unto you. En vérité, je te le dis. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. That was strange to Nicodemus. Ça c'était étrange pour Nicodème. First of all, he looked at the man 30 years old. Bien, il regarde le monsieur qui a plus de 30 ans de plus que lui. I was at least 70. Oh, il regarde Jésus qui avait 30 ans et lui il avait au moins 70 ans. In his mind, I'm closer to the grave than to be born in the cradle. Dans sa pensée, il était plus proche de la mort que de la naissance. Hallelujah! Amen. So it was necessary for him to discern what God is saying. The parable must be sorted out. Donc, the riddle must be opened up. Pour lui, en fait, la parabole devait être révélée pour lui permettre de comprendre ce dont il était question. So he asked in verse 4. Dans le verset 4, il a demandé. How can a man be born when he is old?
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? What he was actually asking. How can I be born when I'm already old? And he was actually old. En fait, ce qu'il est en train de poser comme question, c'est dire comment est-ce que je peux être né pendant que je suis vieux? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Peut-il entrer encore une seconde fois dans le sein de sa mère pour renaître? Hallelujah. Well, we cannot say whether the mother was alive then, but if the mother was alive, it would be at least 90 years. On ne peut pas dire que la mère était encore vivante, mais si au moins, si la mère était vivante, elle devrait avoir au moins 90 ans. So, Nicodemus was really confused. Non, Nicodemus était confus. So, we come back to what Jesus said here. Revenons à ce que Jésus a dit. Verily, verily, I say unto you. En vérité, je te le dis. Except a man be born again. Si un homme ne naît de nouveau. What does the word again here mean? Qu'est-ce que cela veut dire en, de nouveau ici? Certainly, it's not to go back to your mother's womb by being born. Oui, certainement, ce n'est pas de retourner dans le sein de la mère pour renaître. It means two things. Cela veut dire deux choses. First, it means to be born from above. Premièrement, c'est d'être né d'en haut. He talked about the kingdom of God here. Il a parlé du royaume de Dieu ici. Except a man be born from above. From above, from a higher power. Si un homme ne naît d'en haut, s'il ne naît du ciel, s'il ne naît d'une puissance plus forte. So that he becomes entirely new. De sorte qu'il devient totalement nouveau. He cannot see, he cannot understand, he cannot see the kingdom of God. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. You must be born again. Tu dois être né de nouveau. You must be born again. Tu dois être né de nouveau. For except a man be born of God. Si un homme ne naît de Dieu, he cannot be entirely new. Il peut pas être totalement nouveau. Hallelujah. Amen. You must be born again. You must be born from above. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être né d'en haut. Then Jesus answered in verse 5. Et verset 5, Jésus a répondu. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. So when a man is born from above, et quand quelqu'un est né d'en haut, is born by the incorruptible word of God. Il est né par la parole incorruptible de Dieu. As testified to by the apostle James. Comme cela a été témoigné par l'apôtre Jacques. But is born anew by the Spirit of God. Mais il est né à nouveau par l'Esprit de Dieu. According to Apostle Paul in the book of Titus. Selon l'apôtre Paul dans le livre de Tite. There's a washing of regeneration and renewing in the Holy Spirit. Il y a un bain de la régénération et de renouvellement dans le Saint-Esprit. Amen. So when you are born from above, you are a new species. Woo! Glory! You are a new species. You are a new brand. You are a new. Quand tu es né du ciel, tu es une nouvelle créature. Bon. Même chose. New creation. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle création. We have had several creation. Il y a eu plusieurs créations. You have animal creation. Il y a la création animale. With their different order. Avec leurs différentes ordres. You have the human creation. Il y a la création humaine. Different parts of the world. Dans toutes les parties du monde. Then you have angelic creatures. Et vous avez la création des anges. But when you are born from above, mais quand tu es né d'en haut, you are a new creature.
Tu es une nouvelle créature. There is no class among the animals. Il n'y a pas de classe parmi les animaux. There is no class among the humans. Il n'y a pas de classe parmi les humains. There is no class among the angels. Il n'y a pas de classe parmi les anges. You are a new creature far above the angelic class. Tu es une nouvelle créature bien loin et bien bien au-delà, bien au-dessus de l'ange, des anges. Oui. C'est difficile. It's difficult to express this thing. C'est difficile d'expliquer cela. Parce que il est nouveau rêve. It is difficult to explain that because it is new realms. Hallelujah! If any man be in Christ, he is what? A new creation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. If you are born in Christ, just raise up your hands. Si tu es né de Christ, lève la main. If you are not born again, you are not a new person in Christ, come here, I just want to pray with you. You can stop the message, I want to pray with you. Just come, if you are not born in Christ. Anybody here? Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de Christ, tu n'es pas né de nouveau, tu peux venir. Je vais prier avec toi, je vais arrêter le message, on va prier avant que on continue. Tu n'es pas né de nouveau. There's no need to be having pride like Nicodemus. Oui, il n'y a pas besoin d'être orgueilleux comme Nicodemus. Anybody? Praise the Lord. Amen. You are all new creatures. Nous sommes tous des nouvelles créatures. And we want to talk about this new creature. Et je veux parler de cette nouvelle créature. And we are taking it small. On va le prendre petit à petit. Amen. But know that you are not of the animal order. Mais sachez que vous n'êtes pas de l'ordre des animaux. There's no way you want to marry one of them because you are not of the same order. Il n'y a pas de raison de vouloir épouser un des animaux parce que vous n'êtes pas du même ordre. Hello. Amen. You don't belong there. Vous n'appartenez pas à cet ordre. You are not human. Tu n'es pas humain. So you can't marry just from among the human class, among human beings. You can't marry a fellow human beings. Donc tu ne peux pas épouser un humain. That is not a new creature. Qui n'est pas une nouvelle créature. That does not have that unique life inside of him. Qui n'a pas cette vie unique en lui. Because there will be confusion. Parce qu'il y aura de la confusion. You think heavenly. Tu penses du ciel. You think earthly. Tu penses terrestre. There will be quarrel. Il aura des bagarres. So you must marry from your class. Donc tu dois épouser de ta classe. You can't marry an angel. You don't belong there. Tu ne peux pas épouser un ange. Tu n'appartiens pas à cette classe. Hey, you belong to a realm beyond the angelic class. Amen. Tu appartiens à un règne qui est au-dessus de la classe des anges. But if you ask me, what is the name of this level of creation? Si vous me demandez quel est le nom de ce niveau de création, all right, I will tell you. Je vais vous le dire. That creation, because others do not know it, we call it new creation. Alleluia. Cette création, parce que les autres ne le connaissent pas, on l'appelle nouvelle création. And the new creation don't understand themselves very well, so they are reminded that they are new. They are not like the old. You can't take advice or counsel from the lower order. Parce que cette nouvelle même ne se comprennent pas bien, donc on leur dit que c'est une nouvelle créature, et cette nouvelle créature ne peut pas prendre du conseil de ceux qui sont inférieurs à leur catégorie. Amen. Amen. Then you are divine. You are a divine creature. Tu es une créature divine. Alléluia. Hello. Amen. Tell somebody you are divine. Dis à quelqu'un tu es divin. Amen. You are not human. Tu n'es pas humain. Mm-hmm. In the human realm. Dans le règne humain. You have some that behave like animals. Dans le règne humain, tu as certains qui se comportent comme des animaux. You have some that behave like sorcerers, witches. Il y a d'autres qui se comportent comme des sorciers. But you are not in that realm. Mais tu n'es pas dans ce règne. Hallelujah! Amen. You are above. Tu es au-delà.
You are above. Tu es au-dessus. Glory. Amen. You are created after God. Tu es créé d'après Dieu. In true righteousness and holiness. Dans la justice et dans la sainteté. If you are born from above. Si tu es créé du d'en haut. Born of God. Si tu es né de Dieu. You are created after Him in true righteousness and holiness. Tu es créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté. Alléluia. You have never sinned and you can never sin. Tu n'as jamais péché et tu ne pécheras jamais. Because you are a new creation, parce que tu es une nouvelle créature, there is hunger for God. Il y a une soif, une faim pour Dieu. And whenever you express yourself, you express your love and hunger for God. Et chaque fois que tu exprimes ton amour et tu exprimes ta faim pour Dieu. Praise the Lord. Amen. So, three things. Trois choses. New creation. Nouvelle créature. In Christ Jesus. En Christ Jésus. You are a divine person. Tu es une personne divine. And then you are created after God. Et tu es créé selon Dieu. See to it that you don't forget it. But Jesus did not finish in verse 5. In verse 6 he said, that which is born of the flesh is flesh. Jésus n'a pas fini là et il a continué au verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. For that which is born of the spirit is spirit. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. So what are you? Qui es-tu? Spirit. No, everybody should answer that because this one is simple. What are you? Qui es-tu? What are you? A spirit man. Hallelujah! Amen. You are a spirit. Tu es un esprit. Right from day one, when you are born again, you are born a spirit. Amen. À partir du premier jour, tu es né un esprit. Amen. And so you must know how to live as a spirit being. Et tu dois donc savoir comment vivre en tant qu'un esprit. Amen. So you don't struggle with human beings and witches and wizards. You can assert your authority. Donc tu ne te batailles pas avec les sorciers, avec les hommes. Tu dois exercer ton autorité. Amen. 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 And you shall know these truths. And this truth will set you free. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. 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 You are a spirit man. Tu es un homme esprit. But somebody may say angels are spirits. Mais quelqu'un dira, mais les anges sont esprits. That is true. Oui, c'est vrai. But the angels were created before you came. Mais les anges ont été créés avant que tu viennes. If you are created to be an angel, you are not a new creation. Si tu es créé pour être un ange, c'est que tu n'es pas une nouvelle créature. So since you are a new creation. Tu vois, si tu es une nouvelle créature. And you are a spirit man. Et que tu es un esprit, un homme esprit. You are born to a realm far higher than the angels. Tu es né d'une catégorie qui est bien au-delà de la catégorie des anges. Amen. Amen. Do you like yourself now? Amen. Tu t'aimes maintenant? Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, know ye not that you will judge angels? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? When the Lord has grown us to become full-blown persons with divine expression, quand Dieu nous aura fait grandir de sorte qu'on ait atteint la perfection pour être un homme totalement divin, une personne totalement divine. Then you understand what Paul is saying in Hebrews chapter 2. Et là en ce moment vous comprenez ce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 2. That the kingdom to come will be ruled by the new creation. Que le royaume à venir sera géré, dirigé par la nouvelle créature. Not angels. Pas les anges. Amen. Amen. So you are divine spirits. Donc vous êtes des esprits divins. You ought to know the things that belong to you. Tu dois savoir les choses qui t'appartiennent. Verse 7. Verset 7. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Because right from the beginning, you must understand
that this new creature, nobody understands that. Parce que depuis le début, tu dois comprendre que cette nouvelle créature, personne ne le comprend. They are all bad creatures. Il y a plusieurs autres créatures. Satan is a creature. Satan est une créature. Sometimes he becomes a human being. De temps en temps, souvent il devient comme un homme. Sometimes he becomes like an angel of light. Souvent il devient comme un ange de lumière. But he's interested more on earth than in the realm of the spirit. Mais il est plus intéressé par le règne terrestre que dans le règne de l'esprit. Because he thinks the earth should be his own. Parce qu'il pense que la terre doit lui appartenir. He's always fighting with men. Il est toujours en train de combattre les hommes. But you are lifted up to a realm that Satan cannot understand. Mais tu es élevé au-dessus d'un règne que Satan ne peut pas comprendre. But because of the reality of your present situation. Mais parce à cause de la réalité de ta situation présente. There seems to be an unending war with Satan. Il semble avoir une guerre infinie entre toi et Satan. But as we understand where we are, mais si tu comprends d'où nous sommes, thus it is written that we shall bruise the head of Satan. Oui, il est écrit que nous écraserons la tête du serpent. Amen. Amen. So Jesus gives us an insight. Donc Jésus nous a donné une petite lumière into who a new creature is. Jésus nous a donné une compréhension de d'où vient, d'où est cette nouvelle créature. He says like the wind. Il dit cette nouvelle créature comme le vent. He says, hey, it's coming. I will catch it. Et lui, il vient, je vais le saisir. Je vais le saisir. Well, look your hand, there's nothing. Quand je regarde, yeah. Hallelujah! Yeah. You cannot catch a man that understands that he's a new creature. Tu ne peux pas attraper quelqu'un qui comprend qu'il est une nouvelle créature. For many years, the church has been behaving like small chicken. Oui, pendant plusieurs années, l'église s'est comportée comme des petits poussins. Comme des poussins. Un poussin, bon. Now, after 71 years, après 71 ans of Jesus coming into the world, après 71 ans que Jésus soit venu dans le monde, God saw the way the church is behaving. Dieu a vu comment est-ce que l'église se comportait. They don't know Jesus Christ. Ils connaissent pas Jésus. So they don't know themselves. Donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Because when you know Christ, parce que quand tu connais Christ, you know yourself. Tu te connais. Because he's the head of the head and you are the body. Parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. The same life. La même vie. We are called Christ. Nous sommes appelés Christ. In different parts of the scripture, notably in 2, we are called Christ. Dans différentes parties de l'écriture, de façon notable, dans deux parties, nous sommes appelés Christ. And the body of Christ. Et le corps de Christ. Amen. The life in him is running in us. La lumière, la vie en lui vient en nous. It says, il dit, I am the vine tree and you are the branches. Il dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments, vous êtes les branches. You imagine a branch being somewhere else and a tree somewhere else. Vous voyez les branches être quelque part et le tronc de l'arbre quelque part d'autre. You tell the vine tree, excusez-moi s'il te plaît. La branche lui dit au tronc, excuse-moi s'il te plaît. And then it goes out. Et la branche qui se retire. No way. Non. Wherever the vine tree is, there you are as a là branch. Là où se trouve la vigne, là je me trouverai en tant que branche. The same light. La même vie. The same life. La même vie. Glory to God. Gloire à Dieu. Verse 8 should be taken note of because it will connect us to the body of this message. Oui, le verset 8 doit être regardé de très près parce que ça va nous connecter au sujet de ce message. Said the wind blows where it listeth. Il dit, le vent souffle où il veut. And thou hearest the sound thereof. Et tu entends le bruit. The new creature are known by their sound. La nouvelle créature est connue par le son. You hear the sound. Tu entends le son. You hear the new creature, man. Tu entends la nouvelle créature. If people think they understand you, then you are speaking like them.
Si les gens pensent que tu les comprends, c'est que tu es en train de parler comme eux. If the human realm think they understand you, you are behaving like them. Si le règne humain te comprend, c'est que tu te comportes comme eux. Because you can only hear the sound of a spiritual man. Parce que tu ne peux qu'entendre le son d'un homme spirituel. Until he begins to speak, you are sitting with a spiritual man, but you do not know. Jusqu'à ce qu'il commence à parler, tu peux être assis avec un homme spirituel, mais tu ne le connais pas. What you declare from your mouth, ce que tu déclares de ta bouche, reveals where you are coming from. Révèle d'où tu viens. Hallelujah. Amen. You hear the sound thereof. Tu entends le bruit. But cannot tell whether it goeth and from whence it cometh. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. So is everyone that is born of the Spirit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. So is you. Amen. Ainsi tu es. So are you. You, Amen. You, you. Every one of you born of the Spirit. Amen. Parmi vous, nous, tous ceux ici, les nés de l'Esprit. You are designed to be like a wind. Tu es créé, tu es disposé pour être comme le vent. Amen. You move. Amen. Tu bouges. Yeah. But they don't understand you. Mais on ne te comprend pas. But when you speak, mais quand tu parles, they locate you. On te localise. This is unusual. Ça c'est inhabituel. That is spirit people are known by their sound. Donc les hommes spirituels sont connus par leur bruit. Amen. You will discover that your mouth has a place in living as a spirit man. Tu verras que ta bouche a une place. Pour vivre comme un homme spirituel, un homme esprit. Because with your mouth, parce que de ta bouche, you declare who you are. Tu déclares qui tu es. With your mouth, de ta bouche, you exert influence as a spirit man. Tu exerces l'influence comme un homme esprit. For example, in John chapter 7, par exemple dans Jean chapitre 7, it says, "He that believed in Christ." Il dit, celui qui croit en Christ, out of his belly, de son sein, shall flow through the mouth, couleront par la bouche, life-giving ministration. Une source de vie pour le ministère. Amen. Amen. Out of your belly shall flow rivers of what? Life-giving waters. De ton sein couleront des fleuves d'eau pour le ministère. Amen. Amen. All right. Ils donneront la vie. Your amen is not very large. Amen. 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 Let's go and read it. Votre amen n'est pas assez convaincant. Donc, alors on va lire. Every spirit man must have a sound. Chaque homme esprit doit avoir un son. Amen. But let not another part of you speak for you. Let it be your spirit speaking for you. Mais ne laisse pas une autre partie de ton corps parler pour toi. Que ce soit l'esprit qui parle pour toi. Why? Pourquoi? Because I'm a spirit man. Parce que je suis un homme esprit. I dwell in a soul. J'habite dans une âme. Dans une âme. I have a soul and I have a body. Parce que je suis un esprit, un homme esprit. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. You said it better than me. I'm a spirit. Je suis un esprit. I have a soul. J'ai une âme. And I dwell in the body. Et j'habite dans un corps. Amen. The soul is required for living on earth. L'âme est requise pour pouvoir vivre sur la terre. So it always wants to act. Donc l'âme veut toujours réagir. But it's not perfect. Mais l'âme n'est pas parfaite. It does not know. L'âme ne connaît pas. Because it's of the earth. Parce que l'âme est terrestre. He will be thinking of the five senses. Donc elle va agir selon les cinq sens. When anything has to do with you, quand quelque chose a à voir avec toi, the soul wants to jump forward to speak. L'âme veut rapidement s'exercer pour parler. Say no, I'm a spirit. Don't speak for me. Donc tu dois dire non, je suis un esprit, ne parle pas pour moi. Amen. 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 So many times when you speak, after you have spoken for a whole day, 99% of the time it was your soul speaking, not your spirit. La plupart du temps, quand on a parlé toute la journée, 99% du temps, c'est notre âme qui a parlé, ce n'est pas notre esprit qui a parlé. But from today, mais dès aujourd'hui, you will learn to speak
with the sound of a spirit man. Tu apprendras à parler avec le son d'un esprit, d'un homme esprit. Because your sound gives life. Parce que le son de ta voix donne la vie. It gives encouragement. Donne l'encouragement. It gives enlightenment. Donne l'illumination, la lumière. Your sound, le son, comes to lift people up. Ton son vient pour élever les personnes. When men say there is a casting down, the spiritual man will say there is a lifting up. Quand les hommes disent qu'il y a la chute, la défaite, l'homme spirituel dira qu'il y a la victoire, il y a l'élévation. Because that is all that he does. Parce que c'est tout ce qu'il fait. The spirit man is for life. L'esprit humain, l'homme esprit est pour la vie. The spirit man is for victory. L'homme esprit est pour la victoire. Later we shall see that the sound of a spiritual man has a lot to do with something. Plus tard, nous verrons que le son d'un homme spirituel a à voir avec quelque chose. So I will ask you to read for yourself John chapter 7 and then memorize it and always remember verse 38. He said, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow what? Rivers of living water. The word rivers of living water means rivers that give life, that minister life, encouragement, blessing, and lifting up. Je veux que vous lisiez pour vous et que vous le reteniez. Le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive, c'est les fleuves d'eau qui coulent pour donner la vie, pour donner la paix, pour donner la joie, pour donner du bon sens. Amen. Amen. His peace. Donner la paix. You said it more than me. So, we ask. On se demande. Why does the spiritual man Jesus identify him with his sound? On se demande pourquoi est-ce que un homme spirituel Jésus l'identifie à un son. It's because when you look at the man. Parce que quand tu vois le son, you can't understand. Quand tu vois l'homme, tu ne peux pas le comprendre. You can't see the spirit man. Tu ne peux voir l'homme esprit. It's like what we found in Genesis 3:8. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. The liver is created after God, and there's something in him that resembles God. The new creation. La nouvelle créature est créée selon Dieu, de Dieu, et il a quelque chose en lui qui réagit comme Dieu. In verse 8, it says, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Il dit, alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. His voice indicated that he was present. La voix indiquait qu'il était présent. Adam cannot see him. Adam ne pouvait pas le voir. No man has ever seen God. Aucun homme n'a pu jamais voir Dieu. It was by the voice of God. C'est par la voix de Dieu. By the sound of the Almighty. Par le son du Tout-Puissant. That God was ministering power, wisdom, knowledge, and understanding to Adam. C'est par le son de sa voix que Dieu donnait les instructions, la puissance et le ministère à Adam. Not that you run and say, "Oh God, welcome to the garden." No. Venait, il disait, "Oh Dieu, il dit, bon arrivée dans le jardin." Non. But with His voice. Mais par sa voix. You can know he's around. Tu peux savoir qu'il est là. Hallelujah! You shall know him by his voice. Tu le connaîtras par sa voix. Let's go then to Romans chapter 8. Allons dans Romains chapitre 8. Remembering that you are a spirit man. Vous rappelant toujours que vous êtes un homme esprit. And that you have a soul. Et que vous avez une âme, and you dwell in the body. Et que vous habitez dans un corps. The soul participated in the fall of Adam. L'âme a participé à la chute d'Adam. But
when you were born again, mais quand nous sommes nés de nouveau, you have a lifted up to the realm of the heavens. Tu as une élévation dans le règne du ciel. And you are able to relate to Christ, your Savior and Lord. Et tu es capable de d'avoir des relations avec Christ comme Seigneur et Sauveur. And the declaration frees the soul from all condemnation. Et la déclaration libère l'âme de toute condamnation. While the Spirit leads the soul to fullness of salvation. Pendant que l'Esprit dirige l'âme pour l'envoyer à la plénitude du salut. And it is all through the work of faith. Et tout cela se fait par le travail de la foi. Let's come to Romans chapter 8 quickly. Allons voir rapidement dans le livre de Romains chapitre 8. We go to verse 2. Verset 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Now, quite often when we read, très souvent quand nous lisons, we do not pay attention. Nous ne prêtons pas attention to the form of words used. À la forme des mots qui sont utilisés. But all scriptures are inspired by God. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. And every word is full of power. Et toute parole a une puissance. What comes out of the mouth of God cannot return to him void. Ce qui sort de la bouche de Dieu ne lui retourne pas sans avoir accompli son effet. So I'm going to read it in the way it is not written. Donc je vais lire cela de la manière dont ce n'est pas écrit. To constrain you to look the way it is written. Pour vous contraindre afin que vous puissiez regarder cela de la manière dont c'est écrit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made us free from the law of sin and death. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Who knows what is wrong in my reading? Qui sait ce qui est mauvais dans ma lecture? All right. I know. I now warn you, I'm going to read it again. Not the way it is written, and I want you to catch me. Je vais lire la manière, pas la manière dont c'est écrit. Je veux que vous saisissiez. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made us free from the law of sin and death. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. I don't know whether he's reading it the way I read it. Je ne sais pas s'il lit de la manière dont je l'ai lu. Oui, c'est ça. So what is wrong in my reading? Qu'est-ce qui est mauvais dans ma manière de lire? Here it is written, "Ma have me, and made me free." Not as beautiful. The most important truths of God are communicated to us very deliberately with some pronouns. Les vérités, les plus importantes vérités de Dieu nous sont communiquées avec des pronoms. When it is the truth everybody participates in, it says we. Quand c'est une vérité dont participe tout le monde, il dit nous. Sometimes when you want to enlighten the people you are teaching about a truth, you say you. Souvent quand tu veux donner une compréhension à celui à qui tu es en train d'enseigner, tu dis you, like plural. You. Plural. Toi. Oh, toi. One or plural. Même chose. Toi. Okay. Toi. Tu are speaking to one person, toi. If you are speaking to everybody, is the plural. Okay. Quand tu parles, quand tu veux donner une vérité à quelqu'un en enseignant, tu lui dis toi ou vous, si vous êtes. For whatever in the scripture, the writer is using the first person singular. Mais chaque fois dans l'écriture, si celui qui écrit est en train de lire écrit la première personne du singulier, it applies to all. Cela s'applique à tous.
but only to those effectively to those who believe it and proclaim it for themselves. Mais cela est évident ou cela s'applique seulement à ceux qui sont capables de le saisir et de l'appliquer à eux-mêmes leur propre vie. So Jesus Christ is not our Lord and Savior, but Jesus Christ is my Lord and my Savior. Donc Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur et notre Sauveur, mais Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. J'en fais personnellement. He's our Lord and our Savior, but that doesn't save a man. But when a man says, Jesus is my Lord and my Savior, he is saved by it. Is that not so? Oui, dit que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, oui, c'est vrai. Mais cela ne sauve pas les hommes. Mais le dire qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, c'est cela qui me sauve. The great secret of living as a spirit man begins with accepting what Christ has given to you and testifying about it. La première victoire de vivre comme un homme esprit, c'est accepter ce que Jésus a dit pour nous et saisir cela et proclamer cela en vivant cela. It's a secret. C'est un secret. But it's open secret. Mais c'est un secret ouvert. Amen. Amen. I want to read it again the way it is not written. Je vais le lire la manière dont ce n'est pas écrit. It is this. For the law of the spirit of life in Christ Jesus shall make me free from the law of sin and death. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ me rendra libre de la loi du péché et de la mort. Any difference? What's the difference? Future. Huh? One day be one day, the Lord will set me free. Un jour, le Seigneur me rendra libre. It's one of the problems of Christians. C'est l'un des problèmes des chrétiens. They put to tomorrow what is effective now. Ils mettent à demain ce qui est effectif maintenant. Hey! The law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free now and always from the law of sin and death. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi et m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. You want to believe it for yourself? Tu veux le croire pour toi? Amen. It's for you, it has been done, but do you accept it? C'est pour toi, ça a été fait, mais est-ce que tu l'acceptes? Amen. Hallelujah. Amen. So, stand up on your feet if you believe it. Si tu le crois, tiens-toi debout sur tes pieds. And then declare it for yourself. Even a woman carrying a child can also stand. Now declare it. For the law of the spirit of life in Christ Jesus. Has made me free from the law of sin and death. Bernice, it is not the one you do your bend your neck. For the law of the spirit of life is death. No. Bernice. You are a man in the spirit. Tu es un homme dans l'esprit. Huh? So you stand bold. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Et tu dis, la loi de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Let me tell you what that means. Laisse-moi vous dire ce que ça veut dire. The law of sin and death. La loi du péché et de la mort. Is not the law of Moses. Ce n'est pas la loi de Moïse. But the law of Moses. Parce que la loi de Moïse is fulfilled in us est accomplie en nous by the law of the spirit of life in Christ Jesus. Est accomplie en nous par la loi de l'esprit de vie. Because Christ fulfilled the law. Parce que Christ
a accompli la loi. The Spirit brings the effect upon our lives. L'Esprit envoie l'effet sur notre vie. Amen. So it's not the law of Moses. Hein? Donc ce n'est pas la loi de Moïse. Donc, because the law of Moses is very good. Amen. Parce que la loi perfect. De Moïse est très bonne et parfaite. But imperfect man cannot obey it. Mais un homme imparfait ne peut pas obéir. But when God created us as divine spirits, mais quand Dieu nous a créé en tant qu'esprit divin, because we still have a soul, parce que nous avons toujours une âme, the righteousness of the law of Moses is fulfilled in us who yield to the Holy Spirit. La justice de la loi de Moïse est accomplie en nous si lorsque nous nous approchons de l'esprit. So let's nous soumettons à l'esprit. So let's read verses 3 and 4 together in French. Verset 3 et 4 ensemble le lisons en français. Want to go? Car la chair est impossible à la loi, parce que la chair est sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Amen. Amen. So the law is not the law of Moses. Donc la loi n'est pas la loi de Moïse. Because verse 4 tells us that the law of Moses will be fulfilled in us. Parce que le verset 4 nous dit que la loi de Moïse sera accomplie en nous. And a higher life will be fulfilled in us than the law of Moses. Et une vie plus grande sera accomplie en nous, plus grande que la loi de Moïse. So what is the law of sin and death? Donc quelle est la loi du péché et de la mort? It is the law that brought death. C'est la loi qui envoie la mort. The tree of the knowledge of good and evil and the serpent, the two of them constitute the law. Yeshua.